cette finale des 17 amplement cruiseurs. Ronald de Montreux n'a pas quitté, c'est lui qui a fait l'avantage pour l'instant. Avec la sympathie de Cédric Chevalier, le pilote du Sénat, après le président de Montreux, Nicolas Carpini, le pilote de Chalet-sur-Loin, on vire à Nicolas. Avec toujours pour l'instant Ronald de Bure en tête, le pilote de voisin Bordeaux, ce sont les couleurs Mike Elko bien représentées. Avant de mise en évidence, la dernière de l'équipe de la Carpini, troisième. Et vainqueur aujourd'hui, vous allez l'applaudir, monsieur Ronald de Bure.